Salut, aujourd'hui on va rempoter le persil. Alors, j'en ai fait un petit peu de trop, hein. J'aurais dû faire la moitié, mais comme l'autre était avec le temps pourri qu'on a eu, donc j'en ai fait un petit peu plus. Bon, le persil plat, lui, voilà, il a été papa, je me bouffais un petit peu. Donc, faut savoir que je l'ai fait le 20 mai, hein. Et vous voyez, à peine un mois après, il est prêt. Genre, on va dire un mois après, c'est prêt. Donc là, vous pouvez encore semer du persil, hein. Si vous êtes en retard, tout ça, n'hésitez pas. Vous commencerez à en manger, allez, bon, malheureusement, un peu plus tard que nous, hein, bien sûr. Mais vous en mangerez, vous voyez, là, si on veut, on peut déjà manger un petit peu. Hein. Donc d'ici un mois, donc on dit 2 mois, bon, allez, fin août, début septembre, vous mangerez votre persil si vous l'avez raté. Mais au moins, vous aurez du persil tout l'hiver, si chez vous, l'hiver n'est pas très très froid. Hein. Même s'il gèle à 1 ou 2 degrés, vous mangerez du persil l'hiver, surtout si vous le faites en pot, surtout si vous le faites, alors, en plus, sous un petit tunnel. Là, vous le mangez sans problème tout l'hiver, avec un petit voile d'hivernage, tout ça. Ça fait du bien de manger du bon petit persil l'hiver, surtout le sien. Donc, n'hésitez pas, si vraiment vous voulez manger du persil, soit vous avez déjà acheté un petit pot, comme mes clients, moi, chez moi. Comme ça, vous avez votre petit pot et puis votre persil. Alors, bien sûr, vous voyez, là, il est bien vert. Hein. Alors, moi, il est bien vert. J'ai mis un bon terreau, hein, comme d'habitude. Hein. Je vois les trucs où c'est jaune. Oui, vous mettez de la merdouille comme terreau. Donc, c'est normal que vous n'avez pas du beau persil bien vert comme ça, et toute plante, parce que c'est la base, c'est le terreau, il doit manger là-dedans, il mange là-dedans, donc si vous lui mettez de la merlouille, et ben après c'est pas bon, il va pas, il végète, il jaunit, et puis si vous l'arrosez mal, tout ça aussi c'est pareil. Donc, la base c'est le terreau, toujours. Donc moi, vous voyez, il est bien vert, hein. J'ai pas fait de formule magique, hein. Je l'ai semé, j'ai mis un bon terreau, j'ai semé, hein. Mon terreau, moi c'est du Classman, hein. C'est ce terreau-là ici, hein, c'est du terreau professionnel, mais vous pouvez en trouver vous en tant que particulier ou même de l'Orbrun, des choses comme ça. Je n'ai pas d'action chez Orbrun, mais ça reste correct. Hein. Et ça, c'est important. Et prenez un terreau à semis. Vous prenez un terreau à semis, vous n'avez pas de soucis. Donc là, on va le rempoter. Donc moi, c'est surtout pour mes clients. Alors ça va être surtout pour les clients qui vont partir en vacances, qui vont faire cramer l'ensemble du jardin parce qu'ils vont demander à Tati, machin, bidule, qu'ils viennent arroser. Puis. Bien souvent, ils n'arrosent pas tout le long des vacances, puis 2 jours avant les vacances, ils arrosent de trop. Donc c'est souvent ça, mais bon, c'est voilà, bon, peu importe. Merci Tati. Et puis il y a des personnes qui ne savent pas arroser aussi, hein, le potager, et puis ils ne savent pas comme nous, bien être passionnés, tout ça. Donc bon, merci à eux quand même qui viennent nous arroser nos potagers, tout ça. On leur met et on les remercie quand même. Et donc là, ce qu'on va faire, donc moi je vais rempoter, je vais vous faire ça sur une petite barquette de 10. Et puis ça va être prêt, hein, pour mes clients. Donc moi, soit je vais laisser un petit godet, et puis je vais en refaire des gros pots aussi avec. Et je suis plutôt déçu pour mon persil plat, parce que le persil plat, c'est ce que j'ai de moins. J'ai pas mal de persil frisé encore. Bon, ils mangeront du persil frisé. Hein. C'est très très bon, hein, le persil. Hein. Tout l'ensemble du persil, c'est très très bon. Mais c'est vrai que le plat est un petit peu plus fort. Alors, on y va. On va faire ça. Hop, là, on va prendre les petits godets. Donc là, je vous fais une petite barquette de 10. Tac, 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 voilà, très bon terreau, comme d'habitude, donc là avec un petit engrais qui correspond au persil, donc là c'est un petit engrais quand même pour toutes mes plantes aromatiques, moi je fais surtout, je leur demande de faire du feuillage, pas de fleurs, hein, c'est la plupart des fleurs, des plantes aromatiques qui n'ont pas besoin de faire des fleurs, hein, donc là on leur demande que ça, donc là on y va, on va faire un petit peu le persil frisé. Voilà, tout simplement, je prends ma petite motte, on y va, tac, et tac, tout simplement. Voilà. Vous voyez, ça fait des belles mottes, hein, quand même, hein. Vous voyez, suffisant, voilà. Donc, comme d'habitude, bon. Moi, mes micromottes, hein, j'ai fait par rapport à ma grosseur de mon doigt, hein, c'est des petites micromottes de 3 cm, donc bon, mon doigt fait moins de 3 cm, mais c'est suffisant pour faire le trou. Là, j'ai pris un petit godet de 8. Voilà, 8-7, il est exactement. C'est 8-8-7. Pour le persil, c'est suffisant parce que bon, le persil va être vite rempoté. Et surtout planté dans vos jardins. Celle-là, je sais qu'elle a souffert un petit peu. Mais on va lui donner sa petite chance. Hein. Je sais que celle-ci, elle avait été loupée en arrosage. Voilà. Et là, on va mettre ça à l'extérieur, sur mes petites tables à l'extérieur.
Et puis là, avec un bon petit terreau comme ça, bien drainé, même s'il pleut de trop, c'est pas... Voilà, ça va encore. Hein. C'est ça qui est important, si vous avez un terreau qui est lourd, tout ça, et puis que chez vous, il pleut énormément, bah dans vos pots, vous allez me dire, ah, c'est tout jaune. Bah oui, mais si vous avez pris un terreau de merde, bah, vos terreaux sont pas légers, sont pas drainants. Donc, c'est important, bah oui, quand on veut faire de la culture, faut... Voilà, surtout si on est débutant, faut mettre toutes les chances de son côté. Voilà, regardez, ça c'est beau, hein. Voilà, donc là je vais continuer, hein. J'ai une plaque de 150, allez, j'ai eu un petit peu de perte dans les... Ce que je vais faire dans le persil plat, je vais en mettre deux micromottes parce que c'est tout petit. Mais on pourrait en mettre une seule, hein, pour vous, hein. Par exemple, si vous avez des petites micromottes comme ça, que vous avez une ou deux graines qui ont germé, vous faites un petit sillon, vous les mettez, allez, tous les... allez, 20 cm peut-être, 15 cm si vous voulez, mais ou même 10 cm si vous voulez faire une belle bordure, mais ça va pousser, hein, il n'y a pas de souci. Mais moi dans les godets, c'est faut que je sois présentable. Hein, vous savez, les clients sont. Voilà, ils aiment bien avoir un gros pot, payer pas trop cher, et puis avoir un bon produit bien net, bien propre. Donc si je mettais qu'une seule graine, il n'y aurait qu'une tige, on me dirait, ah, avec une tige. Donc voilà. Donc parce qu'on les a habitués comme ça, malheureusement. Alors qu'une tige, ça va pousser, ça va faire un énorme pied par la suite. Donc voilà, bah c'est tout. Hein. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des petites questions sur le persil. Donc vous pouvez encore semer du persil. Hein. Si vous avez raté pas mal de choses, allez-y, semez. Si vous avez des graines, même qui sont bientôt en date, fin de date de cette année, 2024, bah plantez-les, faites-les. Et puis bon, bah si vraiment ça vous embête, parce que bon, y a rien, bon bah tant pis, faites rien. Mais allez-y, tentez. Hein, si vous avez encore des... Alors, on va vous dire tout ce qui est légumes, fruits, maintenant c'est un peu dommage, sauf les courgettes, les concombres, les cornichons, si vous voulez, vous les aurez un peu plus tard, surtout si vous avez des tunnels, alors là c'est le meilleur. Mais bon, voilà, il suffit qu'on ait une arrière-saison. Bon, bah espoir, genre, si on ne teste pas, on n'aura rien. Et puis voilà, sinon vous allez les chercher dans les jardineries, s'il y en a encore, bien sûr. Et puis bah, voilà, si vous, il vous reste des graines, alors les courgettes, vous pouvez y aller, hein, les courgettes, petits ronds, tout ce qui est cucurbitacé, tout ça. Là, vous y allez, hein. Vous voulez planter en graines, à l'extérieur, si vous voulez, engoder. Moi, je préfère engoder, parce qu'avec tout ce qui se passe avec les gastéropodes qui nous bouffent tout, puis avec la pluie, tout ça, donc au moins, vous lui donnez une chance. Dès lors qu'il le pot est déjà, il y a quelques feuilles de 3, 4, allez, 3 feuilles, des vraies feuilles ou 2 vraies feuilles, là, vous pouvez les replanter à l'extérieur. Attention aux gastéropodes, hein. Je vous avais fait une petite vidéo là-dessus, vous mettez une petite cloche dessus, ou une bouteille, vous percez sur les côtés, vous laissez le bouchon fermé, bien sûr, mais percez, hein, tout autour pour que ça respire quand même. Et vous faites ça la nuit, parce que c'est surtout en fin de journée et la nuit qu'ils viennent manger. Et puis, bah, surveillez comme d'habitude. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions pour le persil. Dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans la peau d'un producteur. Merci, bonne journée, salut.